Thank you.
Thank you.
ofre na mu lolo tutu na me su ke me ese ina amanu ve ya se aduna bi na jide ko de ve eh ya tu na ko fuga da ora ese pa de na ma ku me me ga ble mi ni tu en viu me be si ke de aduna mi na ko la ko la ana mo ya si ni ko ko bi la ese ku mo ko ko me ne le ve mi anu me be ka pa cho ma wa su ya si tu Kristo su ne la ko me amen. Ya ni radi la devo en le lien et mon gars là pour la prochaine main. Oh.
ce que Dieu lui a fait. Jamais. Et c'est là que le prophète Esaïe le rappelle dans ce passage que nous avons lu. Je voudrais rappeler les bontés du Seigneur et le motif de le louer. Tout ce qu'il a fait pour nous et sa générosité envers la nation d'Israël. Tout ce qu'il a fait par amour dans son immense bonté. Et nous avons fait ce dimanche comme un dimanche d'action de grâce. Mais n'oublions pas ce qu'il a fait pour nous. Israël avait toutes les raisons de louer Dieu. Israël se rappelle surtout de la délivrance de Dieu. Il y a eu des guerres après, hein, mais surtout de la délivrance de Dieu d'Égypte. Même on avait avec le ministère, comme on avait les morts, alors, l'oubli, l'Égypte. Alors, il y a ils étaient partis, effectivement, ils étaient partis comme ils sont retournés en Égypte, parce que Joseph était là, c'est Joseph qui les a appelés. Et ils se sont exilés en Égypte à cause de la famine. La famille seulement. Cette famille est devenue un peuple. Et que qui va subir aussi des traitements très très négatifs après la mort de Joseph. Il va se retrouver guéri de lui-même, de cette famille qui a été d'elle-même quand Joseph était intendant de Pharaon. Cette famille va se retrouver comme esclave et subir des massacres. Le peuple peut-il oublier comment il est sorti d'Égypte? Le peuple peut-il oublier son histoire? J'aime bien cette phrase d'Alain Foucault sur RFI. On dit, un peuple sans histoire est un monde sans âme. Il dit, ton histoire, c'est que tu n'existes plus. N'oublions pas. Donc, Joseph, qui appelle sa famille, qui va être sauvé par Moïse. Ça, c'est le peuple d'Israël. Maintenant, quand on élargit l'espace vers l'humanité toute entière, c'est le Christ qui devient sauveur de l'humanité. Mais l'arrivée de Christ va causer une vraie dizaine. Va créer une catastrophe. L'arrivée du prince de la paix va susciter ou bien va susciter un massacre. Voilà. Comment le prince de la paix, l'arrivée du prince de la paix, va créer un massacre. Des jeunes enfants de 2 ans seront éliminés. Comme autant en Égypte, le peuple était là, il fallait tuer tous les garçons. Il fallait tuer tous les garçons qui naissaient. Jésus, prince de la paix, sauveur du monde, sera sauvé de justesse. Il sera exfiltré par son père adoptif, Joseph. Si un Joseph va amener le peuple d'Israël, la famille d'Israël en Égypte, c'est un Joseph aussi qui va amener Jésus toujours en Égypte. Il va faire sous révélation de Dieu. Joseph n'agirait pas par lui-même. Joseph et Marie et l'enfant vont se réfugier en Égypte, où ils reviendront après la mort des autres. Toujours guidés par l'Esprit. Cette destination rappelle le mouvement du peuple d'Israël tout entier, hein, avant la naissance de Jésus. Le peuple qui va en Égypte, puis retourne sur la terre promise. L'histoire de Moïse et celle de Joseph ont des points de ressemblance. L'histoire de Jésus et de Moïse ont des ressemblances. Mais pas au même niveau. Si Moïse a été épargné pour sauver, Moïse a été épargné lui-même. Quand Moïse naissait, on tuait tous les enfants
Et là, il a été posé sur le fleuve, on l'a récupéré, il a parti dans la maison de Rahab, il a été sauvé miraculeusement. Si Moïse a été épargné de ce massacre qui était en son temps, initié par Pharaon, pour sauver Israël, Jésus, lui, il a été sauvé pour le salut de toute l'humanité. Il a été également protégé pour le salut de toute l'humanité. Ne l'oublions pas. Et un point important de cette histoire du salut est qu'elle se déroule dans une grande violence. Notre histoire de salut, du salut se déroule dans une grande violence. Déjà, le salut d'Israël. Hérode ordonne le massacre des enfants innocents. Pharaon, Hérode, pourtant Jésus, ordonne le massacre d'enfants innocents. Comme Pharaon avait fait tuer les petits garçons israélites à l'époque de Moïse. Et pourquoi une telle violence? Pour l'un, c'est-à-dire pour Hérode, c'est la peur de perdre le pouvoir. Pour Pharaon, au temps de Moïse, c'est la peur d'être envahi par des étrangers réfugiés. Parce que Pharaon avait dit, en son temps, si on laisse ce peuple-là se multiplier dans ce pays, ils vont nous envahir. Donc, éliminons les garçons, comme ça, on va taper chez nous. Comme ça, on va taper chez nous. Pour Hérode, il avait peur de son pouvoir, alors tuons ce garçon, et puis, si je tue tous les garçons, il sera mort. Mais ces questions sont toujours d'actualité. Ces questions sont réelles encore de nos jours. Les mères pleurent toujours leurs enfants, victimes des guerres, des injustices, des pouvoirs dictatoriaux. De même que Pharaon avait tenté de tuer Moïse en même temps que les autres garçons d'Israël de son époque, ainsi Hérode tenta de tuer Jésus aussi en même temps que les autres garçons de Bethléem quand il se rendit compte que les marches l'avaient trouvé. Et souvent, les chefs craignent l'opposition. Ils voyaient déjà ses enfants les opposants. Des opposants, des enfants opposants. Concernant Hérode, bien qu'agissant sous l'instruction de Satan, on peut le dire comme ça, quelqu'un qui tue les enfants comme ça, il fonctionne sous l'impulsion d'une force qui n'est pas positive. Que nous pouvons nommer Satan. Bon. Si on dit qu'il fonctionne sous le pouvoir de Satan, qui cherchait à éliminer l'enfant Jésus, et ainsi déjouer le plan de Dieu pour cet enfant et pour l'humanité, il faut reconnaître que Hérode n'était pas juste un instrument qui était manipulé. Il avait déjà des prédispositions pour de tels actes. Qui est trahi déjà par le passé commis des massacres. Selon l'histoire rapportée par Joseph Fabius, un grand historien juif du 1er siècle, selon l'histoire, Hérode avait déjà étranglé sa femme de ses propres mains. Il l'avait déjà fait. Il avait exécuté 3 de ses enfants, de ses fils, ainsi que plusieurs groupes de gens qu'il soupçonnait de conspiration contre lui, ses propres enfants. À ma part, il n'y a pas de vidéo. Quand il a tué quelques enfants là, c'est pas grave. Si la personne arrive à étrangler sa propre femme, à tuer ses propres enfants pour le pouvoir, et sur son lit de mort, encore, il était en tentation pour que des nobles autour de lui soient assassinés. Comme ça, à sa mort, le peuple pleura. Mais ça n'a pas eu lieu du coup. C'était la nièce populaire quand Hérode était mort. Cela n'a pas empêché que son fils prenne le pouvoir. Archélaus. Peut-être tel père, tel fils, on le sait. Mais Joseph, qui est le président, ne fait pas la
libre du règne sanguinaire des autres. Mon frère, ma sœur, si nous sommes encore actuellement, si nous sommes ici, c'est que nous avons été préservés comme Jésus ou Moïse avait été préservé aussi de leur temps. Mais c'est dire aussi par ce tableau que je viens de dire que c'est ainsi qu'est l'histoire de l'humanité. Prenons donc la mesure des choses à partir de l'histoire telle que relatée en quelques lignes pour nous rendre compte que notre situation, ma situation, notre situation n'est pas une exception. Ce n'est que l'histoire qui se répète. Ce n'est pas inventé, hein. Et ceux qui pratiquent ça ont lu leur précédent, ont lu l'histoire de leur prédécesseur. C'est la réalité aussi. Mais en filigrane de ce tableau, retenons toujours que le Seigneur préserve et sauve ceux à qui il a confié une mission. La mission de sauver à leur tour. Ce salut passe souvent par l'action d'autres hommes, d'autres êtres humains. Comme dans la Bible, on a eu Moïse qui a été préservé pour sauver, Jésus qui a été préservé pour sauver, Mais après, ils sont morts. Ils sont morts même pour certains dans leur mission. Ils étaient morts en accomplissant sa mission. Mais pour que la mission puisse s'accomplir, ils avaient été préservés à un certain moment. La question qui me revient, de vous poser, alors que nous sommes en train de boucler une année, un parcours d'une année avec ses hauts, ses bas, ses déboires, ses peines, ses difficultés, est de savoir pour quelle mission le Seigneur m'a fait là, m'a réalisé, m'a fait, m'a construit. Pour quelle mission il m'a construit? Qu'est-ce que je suis appelé à faire, moi, sur cette terre? Qu'est-ce que je suis appelé à apporter à l'humanité sur cette terre? Ma soeur, mon frère, si je suis là aujourd'hui, si Dieu m'a préservé jusqu'à ce jour, mais c'est dans quel but? Est-ce qu'il nous arrive quand même de nous poser cette question? Moi, c'est rare, hein? Mais c'est maintenant que je me pose la question, mais pourquoi je suis là? Pourquoi il m'a préservé? Mais déjà, je ne vais pas t'aider. Quand il m'a préservé, pourquoi? Dans quel but? Pour que je puisse jouir de ma propre vie. Ou bien il a une mission particulière pour moi, dont je n'ai pas encore la révélation. Notre réponse, souvent, est conditionnée et limitée par la peur. Et surtout par la peur de mourir. Quand on prend la peur de mourir, après, je peux construire ma mission autour. Il y en a maintenant, moi, il y a un avant de préserver, il y en a. Je dis que ceux qui l'ont fait et qui sont référents dans la Bible, que ce soit Moïse, il n'a pas vu la terre comme ils étaient morts avant. Que ce soit Jésus, il était mort en pleine mission. Quand bien il a été préservé à un moment, il a lancé la mission. Maintenant, il y a d'autres qui doivent continuer. Maintenant, si tu dois calculer, dis, depuis mon enfance, il y a quelque chose qui m'a préservé. Le même préservé là, mais il faut oublier. Et puis après, pour quel but, pour quel objectif, pour que ça serve à quoi? À qui? Si je me pose cette question, alors là, il y a quelque chose qui me freine. N'oublions pas que, même si Dieu a préservé Moïse comme Jésus, c'est afin qu'ils puissent accomplir la mission qu'il leur a confiée qu'après ils sont morts dans le récit de leur mission. Mais la mission aboutit. Prenons confiance à travers ces passages vus tout à l'heure dans les Hébreux que Jésus s'est incarné en homme par le sang. Afin de détruire le projet du diable et de libérer ceux qui ont peur de la mort et qui voient le plus près de la mort sur leur vie pendant toute leur vie et les rendre esclaves.
que je suis là, et si j'ai peur de mourir, où est le salut de Déa, Mauna, le Christ honneur, Yorubouji? Où se trouve cette liberté-là que j'ai d'action pour la mission de Dieu? Je ne sais plus. Comment vivre libre si nous voyons le couperet de la mort sur notre tête toute notre vie? Et le passage du livre d'Hébreux a dit, l'a clairement dit, il nous a libérés de ce couperet de la mort. Dans le verset 14 et 15 de Hébreux 2, il dit, il a également participé lui-même afin de participer ensemble et chef, afin que par la mort, il anéantit celui qui a la puissance de la mort, c'est-à-dire le diable, et qu'il délivra tous ceux qui, par crainte de la mort, étaient toute leur vie retenus dans la servitude ou dans l'esclavage. Mais nous nous maintenons dans l'esclavage parce que cette peur-là est restée ancrée et nous a liés, nous a libérés. Bon, il faut faire un travail pour se libérer de cette peur, mon frère, ma soeur. Dieu préserve même au-delà de leur mort, de leur mort physique, ceux qui portent un projet honnête, un projet de justice, un projet de salut pour les autres. Dieu les préserve même au-delà de leur mort physique. Il nous appelle à être gardiens de nos frères pour le salut de l'ensemble. Nous ne sommes pas comme un Caïn. On lui demande où est ton frère. Il dit, est-ce que je suis le gardien de mon frère? Nous sommes le gardien de nos frères et de nos sœurs. Nous sommes le gardien, réciproquement gardien les uns des autres. Ce que je peux faire pour libérer mon frère, je dois le faire. Nous sommes gardiens. Il nous appelle à être gardiens de nos frères et de nos sœurs pour le salut de l'ensemble. Si notre salut est en Christ, alors tâchons à ce que cet espoir soit porteur de reconnaissance et de salut, un salut pour l'ensemble. Mais lui, le système de l'Ivalet, en vrai, quand Jésus-Christ au déroi, ouais, à Cornélia. Si je suis Cornélia, l'autre n'a pas Cornélia, on a un problème. On peut se tenir là-dedans et aller ensemble. Si je suis dans cette configuration, si notre salut est en Christ, tâchons que cet espoir soit porteur de reconnaissance et de notre salut, de salut d'ensemble. C'est en cela que notre salut, notre mission, aurait un intérêt. Ne l'oublions pas. J'ai dit tout à l'heure, certains disent que je ne peux calculer pas. Le Christ calcule tout le monde. Dieu calcule tout le monde. Tout le monde a une valeur à ses yeux. Alors, calculons-nous réciproquement et faisons en sorte que le salut soit global. Ma soeur, mon frère, nous tendons vers la fin de l'année. C'est que ça se décompte en heure là maintenant. Et c'est généralement la période où on va se retrouver peut-être marié, on va dire on fait le bilan ou bien on commence par le faire avant. Notre bilan de l'année, puissions-nous inscrire dans notre bilan un répertoire de la grâce divine sur nous pendant cette année. Est-ce qu'on peut compter les bienfaits de Dieu sur nous pendant cette année, arriver à ne faire qu'un semblant de décompte et mettre en balance à cette grâce-là, mettre en balance avec la grâce que nous avons été pour l'autre. Quelle grâce j'ai été pour l'un ou pour l'autre, pour cette personne ou cette personne. Quelle grâce ai-je été pour nous? Nous mettons les deux en balance. Et puis, la balance nous dit tout. Notre salut est en Jésus. Il vient de dire, c'est le Christ au nom. Voilà, c'est pas en haut, hein, c'est là. Que l'Esprit, pendant ces quelques heures que nous avons déjà, nous permet de peser tout cela afin de voir quelle grâce que j'ai sur moi. Et de nous libérer de la peur. Nous ne sommes que des étrangers, des passagers sur cette terre. Ancrons-nous dans l'Esprit.